Salut tout le monde et on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Cities Skyline. Et oui, on va faire un let's play qui va être en mode timelapse. En gros, ce sera des timelapse tout le long. Puis moi, je vais parler derrière. On va juste direct faire. On va commencer sur une. Ouais. On va aller sur L. Nom de la ville. Chris de Belleville. C'est un très beau nom de ville, personnellement. Fuck, je sais même pas comment écrire ville. On va rien utiliser là-dedans. Et on est prêt. On va. Et on se voit directement pour le gameplay. Et ouais. Donc, comme vous pouvez voir là, on fait la base comme à chaque début. On fait. On relie les deux. Après, on finit par faire. Moi, en fait, toujours ce que je fais sur cette map-là. Je fais une ligne pour l'industrie, l'autre pour le résidentiel, puis le commercial. Juste vous dire que cette ville-là, en tout cas, ce quartier-là, vraiment est test. Dans le sens que, genre, c'est vraiment juste pour avoir assez d'argent pour le début. Mais après ça, on va la démolir au complet. Parce que ça serait pas très efficace. Mais ouais, comme là je place les trucs d'eau, c'est-à-dire les trucs qui vont rejeter l'eau, puis l'autre qui va les pomper à eau. En plus de commencer à faire un système de tuyaux souterrains. En passant, en fait, ça c'est une nouvelle série que je fais justement, que j'avais dit. Ça va être des épisodes, je pense, courts, 10 minutes, 11 minutes. Vraiment des petites vidéos, ce sera pas long, ok? Ça va pas durer, je pense, c'est. Ça va pas, on va pas comme. Comment je dirais ça? Ça va pas être des longues vidéos. Là, on commence direct par faire. 2 secondes, j'ai juste fermé la fenêtre parce qu'il y a beaucoup de bruit dehors. On commence direct en fait par faire le quartier résidentiel. Au début, le problème dans Cities Skylines, c'est qu'on manque beaucoup d'argent. On n'a pas beaucoup d'argent pour commencer, donc faut vraiment faire attention à notre argent. Là, j'essaie de faire quelque chose d'un peu stylé en faisant une courbe. Ce que j'ai réussi à faire. Et là, je passe à commencer à faire le truc. Industriel, comme vous pouvez voir, il y a des ça s'appelle des terres fertiles. Donc, quand je vais avoir débloqué les territoires, en fait, pas les territoires, mais les quartiers pour pouvoir mettre des politiques, puis par exemple changer que l'industrie qui va être dans ce quartier-là va juste être. En gros, en fait, quand je vais débloquer en fait l'industrie, je parle agricole, ben ça va être juste ça que je vais mettre justement parce que la terre est fertile. Puis c'est juste plus vert, c'est plus propre. Donc des fois il se passe pas grand chose. Là je relie le système de ben, le système électrique à ben, en fait le générateur. Pardon, je me cherche. En fait, je relie le générateur à la pompe à eau puis au truc qui rejette l'eau. Car ben, sinon ils vont pas fonctionner. Je me trompe souvent de bouton dans le jeu parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Après, je relie le quartier résidentiel avec le circuit électrique. Là, il y a nos premiers résidents qui sont arrivés. Comme on peut voir. Sauf qu'ils sont pas reliés à l'électricité car tout en haut, en fait, il faut qu'il y en ait qui se placent là. Mais ils se sont pas encore placés là. Donc, faut attendre. Et là, ils ont enfin construit des bâtiments proches des lignes électriques. Fait que toute la résidentielle est reliée au réseau électrique. J'ai agrandi un peu l'industriel. Plus je le relie au réseau électrique quand je pense qu'il était trop loin. Je pense que ça va être une série pas si longue dans le sens que. Ben, peut-être long, mais dans le sens, je parle de la série en tant que telle. Je crois un épisode. Mais bon, on va voir ça plus tard.
sais pas si vous avez remarqué, mais aussi ces temps-ci, j'ai recommencé à faire des vidéos. J'ai recommencé. Ou à part si je passe cette vidéo-là en premier, je vais commencer à faire des vidéos une fois de temps en temps. En passant, cette sorte de vidéo-là va être pour vraiment voir le truc, puis des fois, je vais juste parler de l'actualité de ma chaîne un peu. Là, j'attends en fait qu'on arrive au prochain palier pour débloquer des services, puis plus avoir de l'argent bonus. Comme vous pouvez voir, il me reste quand même 24 000 $, mais je suis toujours en négatif. Fait que ça, c'est un petit problème. Là, je construis une décharge parce qu'on a passé le nouveau palier. J'avais juste oublié de le filmer. Et plus, j'ai placé une école, puis là, j'avais pas assez d'argent pour placer une clinique. C'est sûr qu'il y a des fois des moments où ce serait juste attendre parce qu'il peut pas toujours se passer grand chose. Là j'ai eu assez d'argent pour me placer une clinique. Parce que là je suis passé en positif, donc je perds plus d'argent, j'en gagne. Puis aussi un autre truc qui serait nice que j'aimerais, dites en commentaire un site web ou un truc genre où qu'on pourrait trouver ou que je peux trouver des musiques non copyright pour que je puisse mettre derrière les vidéos timelapse. Parce que je vais être limité juste avec les seuls. En fait, je vais être pogné avec les musiques non copyright qu'ils mettent sur Shark Factory là, de PlayStation. Comme là, vous pouvez voir, je suis en train de créer le quartier pour l'industrie. Je l'ai fait un peu trop gros au début, je sais pas pourquoi. Puis là, comme vous pouvez voir, toutes les industries se détruisent parce que je l'ai placé en agricole. Donc. Toutes les seules qui sont pas agricoles se sont détruites, puis je les ai un peu aidés. Puis là, comme vous pouvez voir, on peut voir des bâtiments d'industrie agricole qui apparaissent. Plus on a débloqué les postes de police, même un petit poste de police pour la sécurité, plus un petit poste de pompier. Là, honnêtement, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Là, j'essaie en fait d'engrandir, mais je sais pourquoi j'y arrivais pas. En fait, j'essaie d'engrandir en fait la zone résidentielle. J'étais capable, donc ouais. J'aime bien quand c'est quand la place est optimisée, parce que j'essaie d'optimiser le plus possible la place, parce que plus c'est optimisé, plus je peux avoir de je prendrai moins de place en fait. Puis vu que là je joue sur PS4 sur console, il n'y a pas de mode, donc je peux pas mettre le mode qui permet de pas avoir de limite de secteur d'acheter, parce que de plot là je pourrais en dire en... Mais tu sais, il y a comme... de terrain, je veux dire. En fait, tu peux juste avoir 9 terrains. Mais c'est très petit. Ici, j'avais oublié de relier à l'eau, parce qu'il me semble que j'avais pas assez d'argent, je pense. C'est probable. Et oui, j'avais oublié de filmer un petit bout. Bon, ce n'est pas grave. Et je vais continuer à agrandir le secteur résidentiel. Et là, je vais commencer à agrandir le secteur industriel. Je le dis mal, mais je m'en fous complètement. Là, je vais rapetisser un peu le quartier parce que ça bloquait sur l'autre, sur le résidentiel.
Et là, j'avais zoné parce que j'avais oublié de zoner cette place-là en résidentiel. Puis, comme vous pouvez voir en bas à droite, j'ai quand même une grosse demande résidentielle. Et là, je passais au palier petite agglomération. Donc là, j'ai de l'argent bonus, donc je peux continuer. En plus, je vais placer de rien. Oui, une école primaire ici. Parce que, ouais, c'est ça, parce qu'ici, on n'avait pas encore. J'essaie de le placer le plus optimisé pour le futur, pour avoir le moins d'argent à gaspiller possible. Plus, je vais continuer à agrandir le secteur industriel, parce que, ouais. Non, j'avais pas continué, j'ai juste placé l'eau. Mais en fait, ça va être sur ça qu'on va se quitter pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous exprimer en pouce rouge, pouce bleu, commentaire. Bye bye, à la prochaine!